Bienvenue à toi, Moussaillon. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à apprivoiser un Shieldhorn. Et pour cela, vous allez avoir besoin de certains outils et compétences pour mener à bien votre action, et il vous faudra donc vous aider du Wiki Atlas. Le lien est dans la description de la vidéo pour savoir ce qu'il mange et où les trouver. Concernant les compétences, il vous faudra débloquer dans la branche Beastmaster, Taming et Riding Tier 3. Je vous conseille aussi de vous aider d'une bête pour l'apprivoisement, cela vous rendra la tâche plus simple et permettra de mieux vous protéger. Tout d'abord, avant de commencer, il vous faudra observer si le Shieldhorn peut être capturé. Pour cela, il faut regarder dans le nom, s'il n'est pas marqué Wild, vous n'aurez pas la possibilité de l'apprivoiser. Une fois trouvé, faites-lui des dégâts pour pouvoir le mettre à terre avec vos bolasses et approchez-vous doucement au niveau des pattes avant pour pouvoir le nourrir sans prendre de coups de tête de sa part. Mais faites très attention, il vous demandera à chaque fois un légume différent à la fin du chronomètre. Donc soyez prêt à vous l'équiper dans votre dernière case de raccourci pour que votre apprivoisement soit efficace. Je vous conseille fortement de vous équiper d'une armure en métal pour mieux vous protéger du Shieldhorn, mais surtout des bêtes qui pourraient vous attaquer. Restez tout de même aux aguets sur les îles de l'âge d'or, la faune est très agressive. Vous pourrez par malchance tomber sur un cyclope ou autre bête mythologique et croyez-moi, la dernière chose que vous avez envie, c'est de finir en charpie sous une de leurs massues. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à le faire en groupe pour maximiser vos chances de réussite, mais cela n'est pas obligatoire, cela peut très bien se faire seul. Une fois le Shieldhorn apprivoisé, il n'aura pas beaucoup de vie, donc grimpez dessus, vous n'avez pas besoin de sel, et soignez-le avec la compétence Nature Touch dans la branche Beastmaster. Enfin, pour finir, vous allez me dire pourquoi tame Shieldhorn. Tout d'abord, il est immunisé aux dégâts à distance de face. Son attaque spéciale est de charger votre ennemi pour l'envoyer dans le décor en lui faisant des dégâts, ce qui est relativement efficace pour décoincer un de vos alliés encerclé par un groupe de damnés ou de bêtes, mais aussi, petit bonus, de jet ski. Et là, vous allez me dire « Mais c'est quoi cette connerie ?» Eh ben, voyez par vous-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu pour m'aider dans le référencement, de laisser en commentaire vos avis et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et que le vent vous soit favorable.